Alors, je vais développer la thèse sur laquelle Mercure est une divinité féminine qui est en opposition, en couple avec Jupiter, qui est une divinité masculine. Jupiter, on connaît d'après la mythologie que Jupiter a beaucoup d'aventures féminines, hein. Et Mercure est le dieu de la communication, le dieu de l'information. Et d'après mes travaux sur les topiques sensoriels, les femmes ont une sorte d'impératif de communication, d'hypercommunication, de transmission, de faire circuler l'information, de colporter l'information. Et par conséquent, pour moi, les valeurs mercuriennes sont des valeurs féminines. D'ailleurs, il y a le mois de mai et le mois du féminin, et on l'associe à Mercure. Donc, on peut se poser des questions à ce sujet. Donc, c'était une anomalie de dire qu'il y a trois divinités masculines dans le quatuor que j'avais déterminé et une seule divinité féminine. Là, nous avons Mercure et Vénus qui sont des planètes inférieures au niveau de la révolution de la Terre, et Mars et Jupiter qui sont des planètes supérieures au niveau de la Terre, intérieure, extérieure. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Donc, je déclare en ce jour que pour moi, les valeurs de Mercure sont des valeurs féminines. Je l'appuie sur mes travaux sur le féminin et sur la communication, sur le ça communication, le ça audio, où il n'y a pas vraiment de surmoi à ce niveau-là. Même que Jupiter, dans son rapport, dans ses aventures féminines, n'a pas de surmoi non plus à ce niveau-là. Donc c'est le ça qui parle. À côté, nous avons Mars et Vénus, qui sont un couple classique, bien connu, qu'on retrouve d'ailleurs en biologie. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourrait développer un jour ou l'autre, mais le couple Mars-Vénus, c'est un couple masculin-féminin, et le couple Mercure-Jupiter doit être également un couple féminin-masculin.